Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a des points qui ont été évoqués par mes chers collègues. Donc, comme vous le voyez, la présentation s'intitule « Quelques bonnes pratiques dans la rédaction scientifique ». Alors, le premier point, c'est qu'est-ce qu'un article scientifique? C'est la définition, c'est un écrit publié relativement concis, faisant état d'une recherche dans un domaine particulier sur un sujet précis. Les réflexions de l'auteur traduisent non pas une vérité établie, mais un savoir en construction. Il met donc en avance des questions qui se posent et des pistes de réponse. Donc, il y a juste ici une petite remarque. Lorsqu'on dit article scientifique, le mot scientifique ne réfère pas uniquement aux sciences exactes, parce qu'il réfère à tout ce qui est connaissance, savoir. Alors, il vise à transmettre une information structurée, intégrant une synthèse critique de l'état de la documentation, un cadre théorique articulé, une présentation détaillée de la méthode et de l'instrumentalisation utilisée, une discussion mettant les éléments précédents en relation, le soulignement des limites et la suggestion de pistes de recherche, le tout généralement en 25 pages. Alors, l'article n'est pas un article d'opinion, il n'est pas un écrit à finalité polémique, il n'est pas une thèse ou un mémoire. Quelles sont les finalités de l'article? Il y a deux finalités, une officielle et la deuxième officieuse. Alors, la finalité officielle est de faire avancer la connaissance au sein d'une communauté de recherche et la finalité officieuse est contribuer à l'état de son dossier professionnel comme universitaire. Maintenant, on va parler de la revue scientifique. Donc, la revue scientifique sert à diffuser une modélisation théorique, une analyse critique de l'état de la documentation scientifique dans un domaine particulier, les résultats d'une recherche. Elle est à la fois une opportunité pour publier et une mine pour s'informer. Comment cibler la revue? Donc, vous avez plusieurs éléments, la qualité de la revue, le contenu habituellement publié, le lectorat, les restrictions d'édition, le délai entre la soumission et la publication de l'article et le coût si la revue est payante. Donc, comment les articles sont évalués? Vous avez plusieurs critères, mérite scientifique, qualité, hypothèse et validation statistique, interprétation des résultats. Vous avez l'originalité, la question posée et le sujet sont-ils originaux? L'importance, les résultats sont-ils significatifs? Répondent-ils à une vraie question? Sont-ils applicables immédiatement? Peuvent-ils déboucher sur une recherche future? La pertinence de la méthode utilisée par rapport à la problématique de recherche? La population enquêtée est-elle suffisante? L'intérêt des lecteurs? La qualité de l'article? Et est-ce que l'article sera cité? Donc, réfléchir au sujet de l'article, il doit être original, il doit intéresser l'auteur, il doit remplir les critères de son devoir et il se réfère à assez de ressources pour mener à une recherche convenable. Donc, avant de rédiger un article, il est important de se questionner sur le type d'article qu'on souhaite produire. Pourquoi ai-je entrepris ce projet de recherche? Pourquoi dois-je écrire le sujet choisi? Que disent les recherches disponibles? Quel est le cadre d'analyse utilisé? Dans quel cadre ou projet cette recherche est-elle menée? Quelles sont les approches ou méthodes utilisées dans le cadre de ma recherche? Établir un calendrier, donc mon collègue en a parlé tout à l'heure. Donc voici différentes étapes et pour chaque étape, le chercheur peut fixer une date. Donc réaliser la revue de la littérature, rédiger un plan détaillé, rédiger un premier jet de l'article, peaufiner la première version, préparer les tableaux et les figures et les intégrer dans le texte, faire relire l'article par les co-auteurs, le directeur de thèse ou des collègues, rédiger le résumé, vérifier tous les changements effectués, vérifier tous les tableaux et figures, vérifier la concordance de la liste de références et celle dans le texte. Alors, maintenant, je vais parler de quelques bonnes pratiques dans le plan de l'article scientifique selon la méthode EMRAD. Donc, nous avons le titre, les auteurs, les mots-clés, le résumé, l'introduction, le matériel et méthodes, résultats, discussions, conclusions et références. On va commencer par le titre. Le titre doit être court, précis et attractif. Il doit contenir les mots-clés importants et éviter les abréviations.
les auteurs, de manière consensuelle, le nombre d'auteurs ne doit pas dépasser 6. L'ordre de citation des auteurs, on respecte la contribution de chacun. Les personnes ayant participé de plus loin à l'étude sont citées dans les remerciements. Les mots-clés, ils doivent être informatifs du contenu de l'article. Le résumé, donc, entre 200 et 250 mots, donc le nombre de mots peut être fixé par la revue. Il ne doit pas contenir d'appels à des références ou des abréviations. Il est important car il est adressé aux reviewers lorsqu'ils sont sollicités. L'introduction, donc c'est environ 10% du texte, elle doit respecter le principe de l'entonnoir, c'est-à-dire du général au particulier, préciser l'importance de la recherche, énoncer l'objectif ou les hypothèses de la recherche. La méthodologie, donc environ 20% du texte, une section méthodologique déficiente peut conduire au rejet de l'article. C'est pourquoi donc la méthodologie doit contenir une présentation succincte de la méthode de recueil de données, une description détaillée des instruments de recueil de données et une présentation de l'échantillon. Les résultats, environ 20% du texte, donc rapporter les résultats obtenus de manière claire, présenter les résultats en préservant l'ordre dans lequel les hypothèses ont été formulées, limiter le nombre de tableaux et figures à l'essentiel, mettre en forme les figures et tableaux, ne pas répéter l'information des figures. Les légendes et titres doivent contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension des tableaux et figures. Les tableaux et figures doivent être numérotés dans leur ordre d'apparition. Les chiffres doivent être cohérents. Donc, la discussion, environ 40% du texte. Donner du poids au travail, mettre en évidence les résultats par rapport à ceux des autres et non l'inverse, placer les arguments les plus importants au début de la discussion, penser à mentionner les limites de l'étude, après la discussion, conclure le travail, écrire en style scientifique et construire des paragraphes argumentés, rédiger la discussion en même temps que la section résultats ou juste après. Donc, il faut éviter dans la discussion d'introduire une donnée nouvelle concernant le matériel, la méthode ou le résultat, d'aller au-delà des objectifs définis dans l'introduction, d'oublier un de ces objectifs, de pousser les interprétations trop loin, de transformer la discussion en un historique du sujet. La conclusion, environ 10% du texte, certaines revues scientifiques exigent une section conclusion. Elle doit être courte, précise et concise. Il faut redonner le point fort. Ne terminez jamais sur les travaux des autres car cela met en doute la validité du travail présenté et cela en diminue la portée. La conclusion ne comporte aucune référence bibliographique. Pour rédiger cette section, il peut être utile de se poser les questions suivantes. Que voulez-vous que le lecteur retienne et quel serait le message à retenir. Dans la conclusion, il faut éviter les formules, du type « il se pourrait que », « il serait possible de », « il pourrait être suggéré éventuellement ». Donc, de suggérer des études à plus grande échelle, cela sous-entend qu'elles doivent être conduites pour vérifier ce que vous avez fait et de terminer par « nous sommes en train d'étudier » car le relecteur ou le reviewer répliquera plutôt que de publier cet article « attendons les résultats ». Les références, il faut se conformer aux recommandations de la revue. Attention aux erreurs donc, dans l'orthographe des noms des auteurs, les abréviations à page et toujours citer la source originale. Donc, pour conclure, voici quelques erreurs. Mauvais choix du sujet, mauvaise langue ou mauvais style, pas d'analyse de puissance ou effectif trop faible, statistiques inadaptées, erreurs de calcul, chiffres incohérents, éléments de méthodologie dans la discussion, résultats dans la discussion, discordance entre les résultats des tableaux et du texte, figures en contradiction avec les résultats, mise en premier plan des résultats de l'analyse secondaire, modification a posteriori de l'hypothèse initiale, conclusion inadaptée non fondée sur les résultats et mauvaise citation de référence. Donc voici quelques conseils. Évitez les termes techniques ou si vous les utilisez, inclure une définition. Évitez de donner trop de détails. Utilisez des phrases et des mots simples et courts. Expliquez l'argument de manière simple, soulignez la logique de l'argument. Être informatif. Utilisez des exemples pour clarifier les points importants. Évitez de faire dire à un auteur « citer ce qu'il n'a pas écrit » et évitez de citer un auteur sans donner la référence bibliographique. Je vous remercie de votre attention.